Je suis dégoûtée. La prochaine devait à l'école. Je crois que les vacances se finissent. M'en pouvez plus, abonne-toi. Ouais, c'est la famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo avec Yacine et Nassim. Et Isaki, Phil, gros merci. Donc là, je vous explique qu'on est devant le magasin, de l'hôtel. Yacine, Nassim, tu veux une sacoche? Moi, je veux une sacoche. Lui, veut une paire de baskets. Sauf qu'il veut nous faire des prix. Ils veulent nous couiller. Ils veulent nous couiller. Donc nous, on va essayer de négocier un maximum le prix. Et puis, on vous promet rien. Vous lui donnez un ordre de 50 euros. Tu mets une pièce sur qui, Isa? Comment ça, sur qui? C'est-à-dire qui va réussir à bien négocier? Personnellement, je pense Nassim. Nassim va réussir. Écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, 50 euros, ça correspond à 136 dinars. Ouais. Ce qu'on va faire, on va rentrer dans le magasin, on va faire carrer un tour. Toi, tu filmes ce qu'il y a dans la marchandise, après, tu filmes en cachette l'échange avec le mec. Vas-y. Écoute, je vais dire, j'ai 3 euros, 2 euros. Salam alaikum. C'est que des faux trucs. On croit bien d'accord. C'est ça, ça n'existe pas ça. Même ça. On va y ramener une échelle. Il est grave bien fait. Hein. Parce qu'il y a assez mieux, ce qu'il veut, c'est des baskets. T'as pas trouvé? Non, mais dans la semaine c'est possible, vous êtes là encore. Moi je pars deux après-demain. Après-demain? Ouais. Demain, demain, celle-là, la première? C'est 15 dinars. Pas pour 5 dinars. Non, pas des sacoches Gucci. Gucci. Il y a comme ça, Gucci. Combien de temps pour le sorcier là? Ouais, trop gros, ils sont déjà un sac de voyage. C'est grand, comme ça, un sac de voyage comme ça, tu dis. Il est grave bien. Il y a des grandes quand même. Avec moi à l'intérieur. N'importe quoi, il est grave bien celle-là. Celle-là, tu l'as fait à combien, chef? Celle-là, ça fait 48. 48 dinars? Putain. C'est pas une vraie. Hein. Celle-là, ça a combien? Ça vaut combien à peu près? Ouais, mais ça, c'est pas une vraie, frère. Oui, c'est pas grave, je sais, c'est pas des vrais. Celle-là, c'est combien? Pareil. 48. Ouais, mais on n'est pas venu avec une tonne d'argent ici. Armani. Ils sont bien faits. Toi. Allez, t'es où? Là. Là? Ouais. On va faire un tour. Moi, chef, tu les fais pas mal, les chaussures. Ça, tu seras. Une, deux, trois, c'est bien. Une. Je vais revenir à la charge pour aller à sa poche. Vas-y. Dinars, ça fait 70. 70 dinars. Mais c'est des fausses. Ouais. Mais pour 70 dinars. Ça, c'est que des fausses. Tu peux pas nous faire un petit prix? Non, c'est que celui que je fais les faire à 60. 28 euros à peu près. 60. Et 38 euros. Non, moi. 60 dinars, ça fait dans les 28 euros à peu près. Non, pas 30 euros. Celle-là, là, combien? Celle-là, 90. Dinars, 42 euros à peu près. 42 euros. Les vrais, ça vaut dans les 180 euros. Bon, vas-y, non, moi, j'y vais. Vas-y, on y va. Ah, merci, cousin. Salut. Passons l'autre, là-bas, là, au centre-ville, il avait dit 40 dinars. Il a dit les presto, il a dit quoi? En France, c'est 180 euros. Macron. Mais oui. Vous avez vu, on dirait qu'ils veulent nous escroquer. Mais tu sais, c'est quoi le pire? C'est qu'on lui dit c'est des fausses, il continue à augmenter le prix. Non, ce qui me fait rire, c'est qu'on lui dit les vrais sont à 190, mais le truc, c'est des fausses. Par contre, bah, c'est des fausses. Par contre, la sacoche Louis Vuitton, la grande, elle est magnifique. C'est vrai. Mais tu sais quoi, je vais revenir le dernier jour, je vais dire écoute, il me reste 15-20 dinars. Soit tu me la fais, soit je la prends pas. C'est pas bon 40? C'est impossible de négocier avec eux, c'est des crevards. Ouais, il était vénère un peu, mais en fait il veut me couiller, il veut me vendre plus de 20 euros une fausse sacoche alors qu'au marché ou dans un truc comme ça tu le trouves à 15 balles maximum. C'est grave vénère.
gratuit chez vous, c'est donné chez vous. Ah mais sans rigueur, non, c'est une fausse. C'est raffiné. C'est une fausse aussi, faut... Normalement c'est 10-15 euros, pas plus. Moi, nous, on va vous laisser là, salut.